Une très grosse équipe, non, je ne m'attendais pas à un score aussi joli que 5-1, mais bon, dans notre esprit, on avait dit qu'on irait là-bas pour faire un très très bon résultat. Bon, la défaite était interdite, je crois que le 5-1 est de bon augure pour la suite, et je pense que samedi, on va remettre encore un petit peu le paquet pour faire encore peut-être mieux ici. Donc ce soir, j'avais pas prévu un gros entraînement, j'ai prévu quand même un entraînement. On va commencer par une petite balle aux prisonniers, pour histoire de nous. Si, je les crains parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont très ambitieux et je pense qu'ils n'auront rien à perdre chez nous. Donc, ils vont certainement passer à l'attaque d'entrée. Ça sera à nous d'être vigilants et de faire aussi bien qu'on a fait ce qu'on a fait au jeu court. Mais je crois que tout est possible et on a monté de puissance depuis un mois et demi. Donc, je crois que tout est bon pour continuer dans l'objectif de la finale. Le programme de l'entraînement ce soir est basé un petit peu sur le jeu de passe et notre collectif. On continue à améliorer un petit peu. Depuis, je vous dis, un mois et demi, on a travaillé beaucoup notre collectif. Et je continue dans ce sens encore ce soir. Donc j'ai mis quelques petits trucs au point pour samedi. Des entraînements un petit peu à la demande. À chaque équipe qu'on rencontre, on essaye de faire quelque chose. Et ben, samedi, on essaiera peut-être de faire encore un petit peu une petite mise au point et de voir si les consignes qu'on leur aura passées ce soir, ça sera aussi bien.